On a toujours été dans la question insécurité, question Zakia kidnapping. Nous prêts à venir avec information ça. Selon direction centrale police judiciaire DCPJ, qui fait qu'on est là, yo a mené négociation sérieusement là pour capable de libération 16 ressortissants américains et canadiens qui enlevés dans pays dans commune Croix-les-Bouquet dans la 16 octobre passé. Selon ça, yon source dans DCPJ confie avec journal Le Nouvelliste côté fait qu'on est là, y a travaillé sérieusement là pour garder comment capable de jouer une libération 17 missionnaires sérieux, j'en dis à là, et 16 américains et yon canadiens. Négociation yon en cours pour permettre que jouer une libération étranger yon. C'est cellule anti-kidnapping contre enlèvement qui n'en dit sur centrale police judiciaire qui en discussion avec un kidnapper. Ça veut dire si en discussion, si c'est capable de jouer une formule, puisque l'amour sans jour, Wilson Joseph, que tout le monde connaît sous l'amour sans jour, cap dirigé base 400 Maozo, il se clair sous ça pour dire que c'est 17 millions de dollars pour baler l'argent pour le capable libérer en sortie sans yo. Sinon, si yo pas baler l'argent, ça lui-même l'a passé à l'attaque selon ça lui-même l'été dit. Mais c'est ça, on dit sous ce que n'est capable de faire confiance, qui confie avec un journal Le Nouvelliste que mes négociations ont avancé sérieusement et déjà gain agent FBI et gain l'autre spécialiste en question récupération otage. Ce genre, Maison Blanche t'a annoncé la fois passée à qui déjà sous sol là pour garder comment capable procéder avec libération otage yo. Et pas oublier que la Maison Blanche t'a dit la fois dernière à travers porte-parole James Saki que toute option possible sous table pour jouer une libération otage et pas oublier selon cadre qui toujours parlé de grain haïtien ça qui s'est chauffé ça qui t'a conduit tibus ça que en pile fois pas jamais mentionné dans question monde qui n'en met ravissant dans 400 maozo mais n'a cité cadre qui fait qu'on est que et bien chauffeur qui t'a conduit machine côté missionnaire Saotia c'est un haïtien qui lui-même tout li kidnappé li n'en met et monsieur yo. Mais pas oublier que bien et PM Magellan qui dit ça tout je dis ça tout à l'heure dans texte qu'il dit là dans adressant que gouvernement là dit pas dans question négociation avec aucun bandit c'est CSPN là l'état travaille sérieusement pour le capable démanteler bandit bandit qui a deux choix soit yo mettre zam yo gen dans meur ou bien y aller dans prison. Directeur exécutif Christian Lasson qui a défendu Amounio puis espère s'exprimer tête chargée li gagner façon bandi bloqué accès gaz là qui c'est un produit transversal défenseur de Amounio qualifié criminel si ta gagne main politique derrière dossier ça puis espère ça vous jeter bien l'idée qui fait quoi c'est une force internationale qui capable résoudre un problème insécurité hein défenseur de Amounio longé de toute longueur sous communauté internationale là li dit comme complice dans zak bandi yo en côté Pierre Espérance dans micro collaborateur Romanès. Si il y a une main politique qui est ça, qui a supporté Gangyo dans ça, j'en ai dit, son acte criminel, cynique, qui ont action terroriste, ou côté ou privé, en population, de tout droit que les gagnants, et où nous connaissons que Gaza sont produits transversal que les maintenant. Maintenant, Kounia, est-ce qu'on pense, et selon Jean Pilmondi là, Gremon qui croit c'est celle blanche qui a maté insécurité à la. Ou David, yon intervention militaire ou bien Gremon qui parle de accompagnement technique au moins pour maté insécurité à? Blanc international là, il contribue avec ça, non, je ne veux dire. C'est comme si on dit, mon yon, ou mandé ou yon juge parti. Et à travers le corps groupe là, yon contribue dans ça, non, hier. L'année dernière, en 2020, après Genève, fin fait deux massacres. Et alors, le Genève, non? Les gangs, la saline, etc., tout ça, on a fait des massacres, on a fait pont rouge. Et alors, il y a des massacres seulement, non pas c'est qui fait en 2020, mais c'est un exemple. Il y a fait pont rouge avec Cité Soleil. Et là, ça, c'est CNDDR avec toute mission Nations Unies qui fait plaidoyer les gangs qui ont fédéré. Responsable RNDD hashtag reconfirmé ministre justice dans l'ITSE qui tel gemel trapé dans Zak kidnapping qui était fait sous pasteur Ferrand Michel là. Défenseur d'Amounio Pierre Espérance dénoncé pour le ministériel Henri qui d'après lui refusé, révoqué ministre pour aller répondre question la justice. Pierre Espérance révélé ministre justice dans continue à prouver forcé côté le révoqué. L'administrateur ministère justice là qui d'après Pierre Espérance était un vrai professionnel en côté toujours dans le micro samedi. C'est lui-même qui coiffé la police là. Donc, et étant donné que l'institution est extrêmement faible, donc il faut l'écarter, nous demander pour l'écarter, qui tel pour et pour DCPJ capable de faire travail avec sérénité. Et bien, en plus
tractation qui a fait semaine là, na week-end là, week-end qui s'est passé là, et tout le monde capable ouais lundi et bon premièrement et vendredi 22 octobre et qui tel bah on interview avec mon agent en ligne dans la capitale là et c'est immédiatement après interview ça que yo mandé $100,000 et dans lundi 25 octobre il fait une longue interview et li ba en pile menti dans yon radio dans capitale là et un petit temps après et moun yo yo libéré. Oui, mais il dit le tap trop facile, oui. Il dit le tap trop facile pour ça, notamment pour démissionner. Il dit, au contraire, lui-même, c'est de le taper de moun yo, jouen libération yo. Moi, je recommande tout le monde, m'encourager, et ou même comme journaliste, sous votre cofèl, société a, attendez dernier vidéo, yon petit pasteur a fait sortir, jeudi soir, jeudi dans la soirée, jour qui était 21 octobre 2021. Et là, il dit que et tout le monde te connaît. Bagaille était clair. Et tout le monde te connaît. C'est une histoire. Tout le monde connaît. Tout le monde te accepte. Ça veut dire qu'elle a parlé relation qui telle avec Pasteur. Relation et madame qui telle avec Pasteur. OK. Et il dit, il y a une preuve, etc., etc. Il dit, il y a un document écrit. Il y a un texte message. Etc. Et c'est dans la même vidéo ça, il dit sur ce dit là. Ouais, nous pas inventé rien. Et bon, oui, moi comprends, oui, et Kitel, parce que Kitel c'est bois droite, et Kitel c'est bois droite, et premier ministre de facto, et bois droite, et Moïse Jean-Charles, qui. Uh-huh. Et puis après ça, et Michel Martelly. Ça veut dire, monsieur, il y a pile monde derrière. Voilà, déclaration responsable à directeur exécutif Réseau National Cap Défendoua Mounio Pierre Espérance. Pour parler de coordination organisation pour démocratie, hein, Jimmy Medesca, il dénonce le phénomène d'insécurité à l'handicap augmenté dans la société à Citozac, kidnapping, yo, côté personne pas épanier. Porte-voix Codlan, Jimmy Medesca, te profité dénoncer toute l'autre qualité problème population fait face, tant coup, grand goût, misère, chômage et la trier. Face avec toute situation sérieuse, militaire politique, l'an, mandé premier ministre Ariel Henry, mettez en application, prend responsabilité d'abord pour permettre que problème soit capable de résoudre et mettez en application à quoi 11 septembre, nan, que yo-même, à travers coordination organisation pour démocratie, a été signé, on fasse pour capable permet population de même capable d'aller en souffle. En écouter Jimmy Medesca, dans le micro Radio Mega. Comme on a constaté, même qui ça nous demandé pour que M. Ariel Henry mette des bouchées doubles. Ce que problème ou encore phénomène insécurité a, n'est pas un problème personnel ou bien individuel. Mais c'est un problème concernant toute couche dans la société. Ça veut dire que nous tous qui dans la société, nous sommes capables de victimes d'insécurité. On dit PM Ariel Henry, levez pied en tant que monde qui signale, en tant qu'organisation qui signataire accord là. Ça veut dire que nous signons accord. Et nous gagnons pour devoir pour nous demander PM là aller vite devant tout ça qui a dessiné là. Donc, Père Ariel Henry doit faire toute ça qu'on est pour adresser le problème. À savoir, problème insécurité, à savoir, problème grand goût, à savoir, problème gaz qui sont produits transversal, ouais, à savoir, la vie chère. Donc, c'est ça que fait nous-mêmes, nous demander Père Ariel Henry pour lever pied. Peuple haïtien pas capable encore, devant tout ça, l'a enduré là. Eh bien, il n'est pas capable encore. Ça veut dire que le PM Ariel Henry doit mettre les bouchées doubles. Donc, ça veut dire que pour mettre en application l'accord 11 septembre, là que nous-mêmes, code, nous signataires.
dossier justice AMEC jeudi a fait 14 mois depuis ancien bâtonnier Mofi Dorval a été assassiné et organisation Mofi Dorval continue de voile pour moi de justice pour ancien bâtonnier mais c'est qui a dénoncé l'antel il dit qui gagne dans la justice là dans cadre dossier ça mais Théophile Iswick coordonnateur organisation Mofi Dorval a critiqué autorité concernée qui d'après lui pas manifesté volonté pour faire lumière sur dossier ça en côté déclaration Théophile Iswick. En fait, c'est avec une déception et générale, c'est avec un cœur vraiment attristé. Nous-mêmes, au niveau des structures, nous sommes d'Oval et nous avons vécu cette situation. Malgré toute bataille nous menons pour que nous ayons bien de ce ça et vivant dans l'opinion publique, là, participer dans tous les mouvements levés campés gagnés dans le pays. Hein. C'est juste pour nous être capables d'exiger à ce que l'autorité judiciaire ait un dossier ça à l'œil. Mais c'est vraiment malheureux. Après 14 mois après, le dossier n'a pas fait, il n'a pas. Le dossier n'a pas avancé du tout. Et j'en été capable de préciser là, c'est persécution. Non seulement ancien bâtonnier Montpellier d'Oval, les fins assassinés. Tout le monde connaît pour qui cause les assassinés, c'est parce que les c'était un patriote convaincu et c'était un docteur en droit public qui fait étudier en France une façon de ensemble des dossiers d'intérêt général et capital et notamment dossier Petro-Caribé, des Malons et la Trier qui devant la justice qui va jamais gagner poursuite qui fait là avec eux. Eh bien, ça va être pour faciliter à ce que la justice elle-même y redémarre. Non, mais Kounia, c'est qui est-ce qui t'a dit rendre que dossier elle-même y bloqué, puisque tu es un juge qui t'a désigné le dossier ça? C'est ça que fait route pour nous mettre persécution. Maître Théophile Iswick qui a dénoncé le phénomène de sécurité à l'Idikapta et Banda en d'appuyant pour homme de loi, population doit lever campé pour force autorité au prendre responsabilité. Puis loin, numéro 1 organisation, nous c'est d'Orval Lancroix, changer directeur dans la tête à la police, non, pas changer situation, mais c'est plutôt équipement pour responsable ben avec policier pour faire travail comme ça doit. En écouté, Théophile Iswick qui a toujours dans le micro, Radio Méga. Pour que les policiers faillent, pour que les réduisent moralement. Physiquement et intellectuellement, il y a un changement, il y a un directeur de police, pas capoter grand-chose. Cependant, directeur de police, il est nommé, il est capable de faire un criminel, notoire, tant que Léon Charles, il est capable de gagner de très bonnes volontés. Mais avec ça, la vivre là comme réalité, là, avec Ariel Henry qui prend un gouvernement en otage, avec et on dit PHTK, plusieurs versions, version Matéli, version et Martin Moïse, version Laurent Lamotte, qui gagne, moun nou et les gangs qui gagne, moun qui dans le quartier défavorisé. Moi-même, c'est moun qui transformé en gang. Moun sa ou c'est victime système là. Non, mais sans parler à la maître Iswick, est-ce que son période de transition ça a été fait ou bien c'est avec un pouvoir normal qui soit dire là qui est arrivé fait? Parce que soit dire là, on va être causé. Mais qui s'allie, c'est pas transition en soi qui va le faire, mais transition doit initier. Ok. Depuis transition initier, par exemple, il y a la question d'intérêt général, par exemple, question. Et la conférence nationale s'ouvre. Transition a abordé question ça. Nous quittons la même transition parce que c'est transition même qui pourrait aborder question ça pour mettre base là. Automatiquement, transition a mis base là, eh bien, il a tout créé, il a créé ligne directrice là, par gouvernement et qui a gagné charge et gouvernement démocratique. Toujours dans ça que avec dossier rareté carburant gagne rassemblement compte impunité qui dit yo saisi constaté malgré grève la levée activité toujours pas carré prendre à cause pour pourrissement situation hein. L'école l'hôpital l'autre entreprise obligé que mes portes fermées à cause gaz là qui poko ka disponible. Léonard Rinaldo critiquait gouvernement Ariel Henry il dit qu'il plus a parlé de élection li yo bay solution tout pays attend nan militaire politique la population de kembe flan
nombre de mobilisations jusqu'à ce que l'autorité ou bien yo démissionné ou bien yo assumé responsabilité yo. En côté Léonard Rinaldo, nan ko Jean-Philippe Massé. Tout le monde voulait prendre au libre sous deux populations. C'est bien malheureux. Je dis à la vie d'un moment, il dit ça souvent dans micro la presse. C'est pour la première fois dans l'histoire du pays d'Haïti, la vive moment ça. Si nous changeons 6-7 juillet 2018, nous comparons le jeudi à l'épirède. Jeudi à l'épirède, ça ne passe pas à l'épirède grave. 6-7 juillet, gallon gaz pas de vendre 500-600 dollars, non? Si ça dit qu'il n'y a pas de vendre 500 dollars, non? Donc je dis, hein, peuple haïtien, hein, pas qu'à manger. Il n'y a pas mourir pas pile, pas qu'il y a l'hôpital pour y aller. L'école pas qu'à fonctionner. En même temps, gouvernement, Ariel Henry, secteur démocratique là, lui-même, il a parlé des élections. Tandis que, quartier défavorisé, pas qu'il y a une circulation là, à cause des examens. Hier, mercredi, hein, tout le monde, ouais, qui s'est passé, ministre qui est impliqué dans le kidnapping là, qui était allé pour là-bas accompagner la police pour que yo bay gaz. Tout le monde qui s'arrive, tout le monde voit comment les courir. Je dis, monsieur Henri Ariel, qui ça l'a fait dans la primature? Pour qui ça a mis il pas démissionné? Pour qui ça a pas retiré l'école? Son seul cause la parler, c'est changement de constitution et élection. Est-ce que je dis, on leader politique qui a fait campagne Matisse Gravine, Belé, La Saline? Nous dit non. Donc, avec déclaration Ariel et secteur démocratique qui a fait, semble monsieur Damsa. L'autre information dans le journal, le Conseil national de la société civile a encouragé le Premier ministre Ariel Henry pour prendre bonne disposition pour appliquer l'accord en septembre non, dans l'idée pour permettre à la population à commencer à râler. On souffre, coordonnateur général CNSCA, Max Dorville, a demandé PM non, pour mettre pressé une autre gouvernement, une autre KEP pour citer ça au seulement. D'après lui-même, décision ça yo a pas permettre à quoi commencer à appliquer. Une autre côté responsable CNSCA, Craig